qu'attention, je dois pas trop dépenser parce que si réellement je vais à la PGW ce week-end, il faut que j'ai de la thune. Hein. Moi, j'en ai plus beaucoup là. Je vais regarder combien il me reste, mais il faut absolument mon remboursement du maillot ce week-end, si c'est ça. Ça va être compliqué parce que le temps qu'ils reçoivent le colis, le temps qu'ils me remboursent et tout, que je reçois l'argent, je pense pas que ce week-end j'aurai l'argent. Bah oui, c'est ce week-end là. Ah, je m'attendais à pire. En thune, je m'attendais à pire, crois-moi. Je m'attendais tellement à pire. Je pense. Oh, quoique. C'est dans 2 semaines. Ah, c'est dans 2 semaines! Mais moi, je croyais que c'était ce week-end, moi. Qu'est-ce que vous me racontez? À tout hasard, est-ce que t'es payé le samedi? Ah, si je suis payé le samedi, c'est bon, je touche. Et je suis pas allé à la PGW. À moins que je suis payé avant. Ça serait bien. Genre que je suis payé le 3 ou le 4. Comme ça, j'ai de l'argent pour aller à la PGW. Si seulement on avait des trucs pour se téléporter, ce serait trop bien. Tu mets une destination, hop, tu rentres dans le portail, t'es tout de suite à Paris. Ce serait trop bien. Et tu mets par exemple PGW, tu mets l'adresse, hop, tu rentres dans le portail, 2 secondes, en 2 secondes, t'es à la PGW. Ce serait trop bien. Il y a des potes qui font une fête à tel endroit, ok, tu mets l'adresse, tac, tu rentres dans le portail, ce serait trop bien. Ce serait trop bien ce truc-là. T'as peur des longues distances? Bah non, c'est pas ça, mais c'est juste que je préfère traîner en groupe, ce qui est normal. Tu vois, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu sais pas trop comment réagir, quoi. Puis avec aussi le fait que bah, j'ai des vidéos de rageux, c'est pas que j'ai peur, j'ai peur de personne. Mais c'est juste que avec les vidéos des rageux, le problème c'est compliqué, quoi. Bah t'y vas avec tes potes. Mais s'ils veulent pas. Je pourrais pas y aller parce que y a beaucoup d'abonnés qui me disent bah prends le train et tout, ouais, mais avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on dit sur ma gueule et tout, imagine tu vas à la PGW, tu croises des rageux, tu fais quoi? Ils veulent te pointer, ils veulent te faire tout ce que tu veux, tu fais quoi? T'es un grand garçon, viens, ouais, je suis un grand garçon, viens. Sachant qu'en plus j'ai pas de meuf ni rien, donc bon. J'ai même proposé à Sarah d'y aller, elle m'a fait non, c'est trop loin. Donc bah voilà. Je le prends tous les jours, le train, moi. Ouais, mais bon. T'es un grand garçon, non? Je sais pas. 75. Je serai à 151 euros. Puisque, vu que je vais être remboursé les 75 euros du t-shirt. Donc, voilà. Benji te payera ta place et ton essence. Pardon? Alors, l'essence, je veux bien cotiser, hein, mais sa place, pardon, quoi, c'est combien une place? Parce que si c'est 400 euros, mon pote, non merci. Non, mais c'est vrai qu'un vlog PJW, c'est bien, mais. Moi bien, mais après, compliqué, quoi. Eh, mais attends, PJW, c'est à Paris? Je risque de croiser Romano. Il y a de fortes chances. Après, personnellement, j'aurais encore parlé avec Romano, je lui aurais proposé, j'aurais dit, écoute, ça tente. Bon, je sais que ça va te casser les couilles, mais si tu veux, je participe dans l'essence. Est-ce que ça tente que tu viennes me chercher? Ou alors il y a 2 jours à l'avance, à la maison, tu vois. Enfin, pas à la maison, il aurait pris un hôtel ou un truc comme ça, et puis on aurait traîné tous les deux ou un truc comme ça. On aurait pris Nomzi si on n'aurait pas, si on n'aurait pas coupé les ponts. On aurait été chercher Nomzi. Et je te jure, en vrai, j'aurais même pensé à Nomzi. J'aurais dit, bah vas-y, viens, on va le chercher et tout et tout. Et on va à la PGW. Ce serait bien. Hein. Parce que je sais que lui, ça peut lui péter les couilles. Mais volontairement. Hein, enfin, volontairement, ça peut lui faire chier, je peux comprendre. Parce que je crois que quand il venait chez moi, il y avait 4 heures de route. Aller-retour, faut quand même prévoir le coût Ah bah ça y est, il drache, comme on dit chez nous. Par contre, pas de blabla. Bah t'as le permis, toi go. Oui, mais le problème.
problème, c'est que la voiture, c'est compliqué. Voiture, c'est compliqué. Parce que la voiture que je conduisais tout à l'heure, elle tousse. C'est pas une blague, elle tousse. Donc dès que je fais un sous-régime ou un truc comme ça, la voiture, elle fait méchant et elle peut partir en panne. C'est mon père, ça a déjà arrivé. Et celle à ma mère, c'est compliqué parce qu'elle est large. Et comment te dire que aller à Paris, je n'ai jamais été. J'ai jamais roulé autre part que dans le nord. Et comment te dire, mais comment te dire que faire 4 heures de route, être explosé, arriver là-bas, être démoli et revenir de la PGW et avoir une grosse griffe dans ta bagnole, ça m'enchante pas. Hein, parce qu'il faut pas oublier, il y a des rageux aussi. Hein. Il suffit qu'il voit la voiture, il fait ah, mais quatre voies et papa, mais allez, du paintball et vas-y, hein, je te griffe. Avec marqué FDP, des trucs comme ça. Enfin, j'en rigole, mais c'est pas drôle. Et de mauvaise foi, de la gare de Paris à la PGW, ça se fait en métro ou en bus, c'est pas la fin du monde, c'est rapide. Guy Ward va pas marcher à pied jusqu'à la PGW, hein. Plein de gens vont le faire. Guy Ward, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis en train de me faire engueuler par un viewer et tu veux pas payer le métro. Putain, toi, t'es comme Spirou, tu montes sur le toit d'un métro. Pour ceux qui ont la rêve dans JDG. Pourquoi on dit. Et puis, cette personne-là, qu'elle va se reconnaître, là, parce qu'elle me regarde, hein? Pourquoi tu dis que c'est moi la mauvaise foi? D'accord? Des fois, attention, arrête de toujours prendre dans la gueule, hein? Non, hein? Pas bien, hein? Ouais, moi, je suis pas de mauvaise foi, d'accord? J'essaie de trouver des solutions, hein? Comme on dit dans la vie, l'avenir dépend de nous, d'accord? Je suis pas de mauvaise foi, les gens. Faut arrêter. Mais tu me rejoins chez moi, gros, et on prend ma caisse pour y aller. Mais je te connais, app! Alors tu vas me kidnapper, tu vas me faire des choses. Fais-nous plaisir, la go. Mais quoi, fais-nous plaisir? Mais vous êtes marrant, vous. Déjà, Cybersurf, t'avais dit que Fanou était une fille, alors que j'ai su par la suite, et par lui, que c'était un mec. Alors, Cybersurf, tu n'as pas ton mot à dire, je crois. D'ailleurs, Goban. Non, je rigole. Non, je rigole. Ne bannissez pas, ne bannissez pas. Je rigole, je rigole. Je vais te piquer ton essence. Ah ouais, gros malin, tu vas faire comment? Tu vas prendre un tuyau, tu vas faire. Ah, tu vas faire ça. Puis tu vas dégueuler de l'essence devant moi, je vais te rire. Et après, je vais faire recrache. Recrache! Oh, ça va, tu vas pas remettre ça sur le tapis. J'ai pas fait cash, donc y a pas de tapis. Cash, poker, cash, tapis. Et après, tu t'étonnes que t'es célibataire? Benji, ça va pas alors. Y a des meufs qui pompent bien chez moi. Et ta meuf, elle s'appelle comment? Total? Parce qu'elle te fait la totale. C'est pas drôle, hein, Chris. C'est drôle. J'aime pas le métro et le bus, surtout à Paris. Mais non, mais si, ça va être drôle, regarde. Je vais faire un. Mais si, Guy Ward, on va prendre le métro. Tu vas prendre ma caméra, tu vas me filmer, et puis je vais faire. Et il y a des gens bohol et avec la PGW. Ouais, on va chanter, on va faire le con. Et je vais prendre ma casquette alpine, puis je vais faire pas cher, spectacle chaud, pestac, pestac, pièce, pièce, paltanisé. Moi, avoir pièce pour faire le show, et c'est parti pour le show. Ce programme, un bon week-end, si tu veux, pim. Ça dépend. Je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de venir chez toi parce que je te connais pas. Déjà, j'ai un immense respect pour la gente féminine. D'accord? Et j'ai pas envie de décevoir Sarah. Même si je suis plus avec, Sarah, elle a pas l'image de moi comme ça. Tu vois? Donc, j'ai pas spécialement envie de montrer une facette de moi qui est là en mode je profite de la vie alors que j'ai toujours été très inquiet de base.
Après, franchement, les gars, pour être vraiment sérieux avec vous, parce que depuis tout à l'heure, je troll. Pour être sérieux avec vous, en vrai, de vrai, de vrai. Je sais pas si je pourrais y aller à la PGW. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein, parce que j'ai jamais été. J'aimerais découvrir ça un jour. Mais mes potes, ils sont pas chauds. Il y en a, ils aiment pas. Il y a d'autres potes à moi qui aiment pas. C'est trop compliqué. C'est ultra compliqué de gérer ça, en fait. Donc, je peux pas spécialement, tu vois, les forcer. C'est pas leur domaine. Après, oui, bien sûr, j'aurais pu. Effectivement, j'aurais pu y aller. Mais moi, le train et tout. Enfin, bref, quoi. Et trouve-toi un viewer avec qui y aller, demande autour de toi. Mais au pire, j'ai une idée, la personne là qui me regarde, bah vas-y, prends ta voiture, t'as pas le permis, toi. Vas-y, viens dans le Nord me chercher, puis on y va, vas-y. Tu me payeras aussi le sandwich. Non, on va pas au sandwich, on va bouffer un bécote. Hein. Il y a le nouveau montagnard là que j'ai envie de goûter. Là. Il est bon, en fait. Il y a personne qui l'a fait. Mais il n'y a pas de viande en train, tu viens me chercher en bagnole. Oh là! J'y vais souvent, mon capitaine. Ah bon? Pourquoi t'es dans le Nord, Guy Ward? Le capitaine, c'est en Belgique, hein. Donc t'es dans le Nord, toi. Oh, Guy Ward! J'ai pas venu en voiture à Paris, c'est débile. Mais c'est toi qui es débile. Prends le train et viens nous voir. Mais Guy Ward, il passe par Lille. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il passe par Lille? Bon, Guy Ward, au pire, attends, tu vas au Captain. Ok, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. On se rejoint. Je demanderai au pire à ma mère ou un truc comme ça de me conduire quelque part. Attends 2 minutes. Ouais, excuse-moi. Bref, excusez-moi. Donc, au pire, ce que je voulais dire, je sais plus ce que j'allais dire du coup avec ma mère, merci. Au pire, Guy Ward, tu vois, Captain, au pire, on fait un truc. Je demande à ma mère qu'elle me dépose quelque part à la gare. Je te dis dans quelle gare je suis. On prend le train ensemble. Genre, tu viens me chercher et on y va à deux. Non? Son train passe par Lille, donc tu peux le rejoindre à Lille. Sauf qu'à Lille, pour y aller, bonne chance. En vrai, il faudrait que je demande à quelqu'un de ma famille qui peut me déposer à la gare de Lille. Et moi, je prends rien. Je prends juste ma sacoche, du fric et c'est tout. Et en vrai, bah, à partir de ce moment-là, let's go, quoi. Le problème, c'est qu'il va me falloir un sac. Je peux pas partir avec une sacoche. Sur ma sacoche, ça va être tout simplement mon fric. Et mon sac, ça va être tout ce qui est tournage. Donc je vais prendre une poignée, je vais filmer comme ça. J'ai la poignée qui est là d'ailleurs. Je sais plus où aller d'ailleurs. Elle est là quelque part, mais je crois que je l'ai remis dans sa boîte même. Donc s'il faut, je chargerai les deux batteries. Et je filmerai le plus de choses possible. Je vous ferai un vlog par la suite. Ah bah non, je ne l'ai pas remis. Non, je crois qu'elle est là-bas. Bah je sais plus. Oh, fais chier, je sais plus où je l'ai mis, cette poignée. Allez, là. Voilà. Tada! Je prends ça, je fixe la GoPro dessus, puis. Et ensuite, je verrai des abonnés à Skip. On m'a dit que j'allais voir des abonnés, donc cachez-vous pas. Le problème, c'est pas Paris même. Mais non, mec. Justement, on va à Paris. C'est pas le coup de se voir ou quoi. Le truc, c'est que si jamais je demande à ma mère de me conduire à tel endroit. Au pire, on se rejoint là-bas. On se rejoint à l'endroit que je te dis, par téléphone. Tu me dis, wesh, et tout, bah, on se dit bonjour, on va à Paris ensemble. Et de là, en prenant Paris, à Paris, on verra comment on fera. Mais d'après le viewer qui me dit, il me dit qu'à Paris, tu as, en fait, tu as de quoi y aller à la PGW. Et il y en a, ils se tapent pas 2 heures de marche. Hein. Mec, je sais que je voulais être militaire, mais je me taperais pas 2 heures de marche, frérot. Je te le dis. Je me taperais pas 2 heures de marche. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Par contre, à la BGW, je sais même pas s'il y a des stands où tu peux jouer et tout. Je sais qu'à la Geek Days, tu pouvais. Mais en vrai, je me taperais pas les 2 heures de marche. C'est mort. À Skip, j'aurais même une surprise.
On m'a dit. J'aurais peut-être même une surprise. Alors je sais pas quoi, mais on m'a dit c'est ça. Tu fais Gare du Nord, Porte de Versailles en transport, ça met 28 minutes. Ça va, elle peut bien faire ça, trouve des solutions aussi. La PGW, c'est énorme par rapport à la Geekdaze, mais il n'y a pas des queues de plusieurs heures, c'est pas comme la PGW. Alors, la Geekdaze, il y a peut-être des... y a peut-être une queue de plus d'une heure et demie, mais pour un YouTuber. Là, l'entrée, je doute qu'on va pas faire la queue. Hein. Déjà, la Geekdaze, on faisait la queue. À un moment donné, bon, voilà. Et c'est pas que je cherche des excuses. Je veux y aller à la PGW pour voir ce que c'est pour au moins une fois dans ma vie. Mais, les gars, compliqué. On va voir, man, on en reparlera. Faut regarder si c'est faisable. Après, Guy Ward, t'as quoi comme budget? Après, me le dis pas là sur le live. Dis-le moi en privé. Tu me dis qu'est-ce que t'as comme budget. Moi, je préparerai mes vidéos. C'est-à-dire, je ferai, hey, what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, en compagnie d'un abonné, on va à la PGW. Tu vois, je vais faire un truc comme ça. J'ai déjà préparé mon intro. Et puis, je filme comme ça la marche et tout. Et puis, on fait, et je ferai Benji TV, 9 fois champion du monde. Ça y est, il y est à la PGW. Tu vois, des trucs comme ça. Et puis, je vais filmer des trucs et tout. Je vais essayer de vous faire un vlog de malade. Vidéo, vlog à la PGW avec la commu. Non, parce qu'il y a des personnes de ma communauté qui voudront pas passer dans la vidéo. Je vous connais. Et yep. Envoie ton snap, on crée un groupe. Non, on crée pas de groupe. Moi, j'ai confiance en Guy Ward. Le reste, c'est pas que j'ai pas confiance, mais il se peut qu'il y a des rageux parmi vous et qui peuvent me niquer à la fin. Je suis désolé d'être paranoïaque, mais voilà, tu comprends un petit peu. Tu comprends pourquoi je dis ça, quoi. Bon, bah ton Facebook, non pas mon Facebook, j'ai pas de Facebook. Ok. Moi, je veux bien aller à la PGW, mais on s'est un BK au midi. Parce que je me rappelle que quand j'avais été faire la Geek Days, on avait mangé un BK sur la première fois que j'avais fait la Geek Days, je crois. Un BK ou un McDo, je sais plus, on avait fait un resto. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était bon en plus. C'était chaud. On était là. On mangeait. J'étais limite timide parce que je mangeais mon burger. Je faisais. C'est mon burger. Hein? Ne venez pas me le prendre. J'ai payé pour ça. Donc ne prenez pas mon burger. J'étais tout timide. En vrai, sur les lives, franchement, si on fait une PGW, je vous annonce. Hein, je vous le dis. Comment je serai sur le live et dans la vraie vie, c'est deux personnes différentes. Là, dans la vraie vie, je suis là en mode. Ça va? Ouais. Ça va. On est là. Là. Je fais des trucs comme ça, mais je fais pas le mec en mode oh, wow, c'est What Magic TV et tout. Là, c'est pas pareil, parce que là, je sais que je suis chez moi. Mais devant vous, je serais là en mode bah, tu veux que je te paye un truc? J'ai encore un petit peu d'argent, si tu veux, je te paye un truc. Surtout que si je touche le 5, et que justement, la PGW, on y va le 5. Si je touche le jour J et que le samedi je touche, je pourrais peut-être vous offrir des petits trucs à boire. Eh oui. Parce que moi je suis comme ça, je pense toujours aux gens, moi. Je suis toujours comme ça. Je me rappelle qu'une fois quand j'ai. Bah, l'autre coup, quand j'étais au karting à Austricourt, il y a mon abonné le plus timide, il voulait rien boire. Il voulait rien. Je lui ai dit, mais mec, ça va, je te l'offre. Non, je veux pas, je veux pas. Je lui ai dit, tu veux un coca? Il me fait ouais. Voilà. Si tu sors de la PGW le midi, il faut repayer un ticket l'après-midi. Bah non. T'es sérieux? Alors quoi? C'est une blague? Il faut repayer le ticket l'après-midi? Bah non. Moi, quand j'allais à la Geek Days, ils me faisaient un tampon sur la main. Et quand je partais de la Geek Days, je refaisais voir ma main et faisais c'est bon. Parce qu'ils voyaient que j'avais le tampon. T'es sérieux là? Bah putain, bah, ils sont du bénéf, les mecs. Bah j'y vais pas alors si ça. Oh, j'y vais pas si c'est ça, mais que c'est bon, hein, je vais pas toujours payer les tickets. Toute sortie est définitive. Non. À la Geek Days, non. Bah, c'est chaud alors, bah, j'y vais pas, hein, mec. Et non, d'après le viewer, on me dit que c'est à la journée, t'es un menteur, Rodo. N'importe quoi.
Hâte de te voir, Benji, je commande le train tout de suite. Ah, les gars, vous précipitez pas, d'accord? Je suis même pas sûr moi-même d'y aller. Donc, payez votre ticket si vous voulez y aller, mais n'y allez pas dans l'intention de me voir, parce que moi, c'est pas sûr que j'y aille. Il faut que je joue avec Guy Ward, en fait. Il y a de quoi manger dedans, t'inquiète pas. Ah, mais lui, là, il veut bouffer avec Mille. Lille. Eh, oh là, toi là, qui me parle. Te bouffer avec Mille, en tête à tête. Je suis sûr que tu vas faire ça. Tu vas prendre ta burger, tu vas faire. Serais même capable d'ouvrir ta bouche et de faire. Ah, et de te recracher, puis reprendre. Oh, c'est dégueulasse. Non, non, c'est bon. Si tu veux manger BK, le midi, c'est hors PJW. Et si tu sors, faudra repayer un ticket. Mais il y a à manger dans le salon, mais c'est des sandwichs nuls. Mais ils font pas des kebabs dedans. Je sais pas, un genre de burger, je sais pas, un genre de pain, ou même un tacos, ils font pas. Genre une galette avec un kebab dedans, mais je suis bon, hein. Du moment que ça me cale, je suis bon. Mais comme j'ai un gros estomac, je suis pas sûr que ça me calait. Je rigole. Vas-y, moi je te prends là-bas si tu veux. Ouais, tu vas me prendre, ouais. Genre jambon beurre. Après, on se contentera de ce qu'on a, c'est bon, on va pas me péter les couilles. Et c'est vrai que moi, quand je fais une convention, je fais toujours un BK ou un truc comme ça, parce que ça requinque. T'as un grand coca, t'as un bon burger, tu manges trop bien, et sachant que tu fais des heures et des heures de marche, les calories, tu les brûles. Donc il faut des calories. Après, il faut aussi le petit King Fusion, aussi la petite glace. C'est une tradition. C'est une tradition. On peut se capter si tu viens vraiment. Mais je sais pas si je viens, il faut que je joue avec Guy Ward. Guy Ward, mon ancien viewer, et encore entre-temps, il m'a lâché ce couillon. Donc, du coup, je sais pas trop si je peux lui faire confiance. T'as, il va venir, il va faire ses top Benji TV. Et... Alors, t'as compris. S'agit avec des potes ou soir avec vous. Après, ce qu'on peut faire, mais je sais pas si vous êtes tout chaud, si on va à la PJW, on fait une petite soirée, mais on restera pas longtemps. C'est-à-dire, genre, on fait la journée à la PJW, et au soir, genre, on mange ensemble si vous voulez. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un petit truc, on parle entre nous et tout. Et comme ça, bah, dès que je repars, j'ai des souvenirs plein la tête. J'ai vu ton message privé, mais ça me prouve pas, en fait. Il y a un qui me prouve, en fait. Tu montres le truc de l'FSF Family, ouais, mais je te le reprécise. Un rageux peut aller sur le groupe et faire un screen. Je l'ai dit, la seule façon de prouver que c'est réellement toi, tu voques. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une fille, d'accord, sur notre Discord, elle a refusé de voque. Un peu, qu'est-ce que tu fais là? Je dis bon, très bien. Elle a refusé de voc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un mec. Voilà. Donc désolé, mais non, merci. Tu veux pas accepter ça? Tu veux pas accepter le voc? Très bien. Bah, tu seras pas modérateur. Ce qui est normal. Il faut que j'aie 100% confiance en Modo, en fait. Dans le Modo, en fait. Donc c'est-à-dire quand je mets le rôle de modération à quelqu'un, c'est parce que j'ai 100% confiance en lui. Sinon, il n'y a pas le rôle, c'est logique. Si tu comprends pas ça, bah mec, je peux pas t'aider. Voilà, c'est normal. Bref, allez, nouvelle game. Du coup, Rally m'a dit, ouais, il n'y a pas d'essai vers nous, mais il n'y a pas de quoi, il n'y a pas d'essai. Mais si, mais vers nous. En même temps, c'est normal qu'on n'aura pas d'essai vers nous. Mec, regarde, trois tentatives. Trois non, trois oui. Enfin, deux oui. Où sont le reste, wesh? Les autres, ils ont même pas voté. Ouais, à un moment donné, c'est bon, quoi, mec. Ça va prendre du temps de refaire une nouvelle ligue, hein, je te le dis, hein. Oh, il y a un stand Twitch. Il y a un stand Twitch à la PJW.
Oh, si je tombe sur des modos, je vais en parler. T'as 2-3 mots là. Je vais en parler 2-3 mots. Je vais faire. C'est vous les modos de Twitch? Vous pouvez venir 5 minutes? Comment ça se fait que j'étais man def? Je vous explique mon problème. Ah, mais t'inquiète, ça va être réglé. Tu seras des bans ce soir. Imagine. De toute façon, la journée ne sera pas parfaite. Vous savez pourquoi? Parce que Sarah ne sera pas là. Vas-y, on va leur mettre la pression. Non, 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 non. Non. Vous faites des dingueries. Moi, je me casse. Hein. Je les connais pas. C'est bon. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que les gens, les gens. Ce que j'ai peur, c'est que les gens écrivent dans la PJW champion du monde et tout, quoi. Oh, excusez-moi. Entre coronés, c'est entre mecs. Ou entre mecs. Oh, 5 minutes. Hein. Je vois les cadavres sans plus, les gens voient tous consumer devant les cendriers. Quand reste tranquille, je te dis direct, pour rien à gratter. T'étais pas là quand je descends. Macron, démission, Macron, démission. Gilet jaune, gilet jaune.
Edward, je t'enlève tes robes de modo, mais c'est parce qu'on est on doute d'un truc, ok? C'est bon quoi. Tu crois que t'as cru me niquer ou quoi?